moment-là. Je vais rappeler moi. Est-ce que toi tu nous entends quand on parle, Max? Ah, bonsoir. C'est très bon. Okay. Et bonsoir le public, bonsoir à nos 460 000 téléspectateurs de ce soir. Et internautes, bienvenue à Nedo Roverenbeek. Bienvenue à tous. Et bonsoir Nicolas Justin, sans fin. Bonsoir Neven. Les soucis du direct, hein, comme on dit, les petits tracas du direct, avec déjà un petit échange entre le capitaine Libert et monsieur Krich. Un échange amical, n'est-ce pas Nicolas? Échange amical entre les référés. Bah, bienvenue à tous, bienvenue dans le 11-20. Hein? Tout à fait, c'est paradis fiscal. Faut pas le dire trop fort, parce que d'ailleurs il y a des personnes qui sont en train de s'évader. J'aimerais en profiter tout de suite Nicolas pour saluer Cédric Ornat et son papa qui nous regarde ce soir. Tout à fait. Et qui déguste une délicieuse pizza. On fera pas la publicité pour le restaurateur qui a préparé cette superbe 4 fromages que tu es en train de déguster, Cédric. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a sur notre planche et sur notre table, c'est ce fabuleux match entre le Brussels et le Spirou de Charleroi qui court encore après une qualification dans le top 5 du classement et affronter les meilleures équipes hollandaises. C'est parti mon kiki, c'est parti Nicolas, avec Lisboa qui est à la main. Lisboa qu'on n'a pas encore vu ici à Bruxelles, hein. C'est la première fois qu'il joue. Oui, il est venu en tourisme. Voilà. Enfin, il est venu visiter la Grand Place, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est un beau match-up avec Llorente, qui est l'ancien joueur de Charleroi. Petit duel ibérique, hein, Espagne-Portugal ce soir. Et directement Kuta qui va marquer son premier panier intérieur, qui a quand même moins de taille que Pape Badji, mais qui a le physique pour pouvoir être en opposition face à lui. Je pense qu'il nous a montré quelques fois, hein, qu'il pouvait utiliser son physique pour aller marquer. Là, Llorente qui cherchait son petit shot, hein, ça n'a pas passé. Tim Lambrecht pour se mettre dans le match. Super passe à Libert. Libert va être une clé aussi sur le shooting ce soir pour Charleroi si évidemment Tim Lambrecht est un petit peu acculé. Tout à fait. En parlant de clé, toutes les clés aussi sont dans les mains des Bruxellois qui sont leur pire ennemi, hein, j'ai l'impression cette année, en sortant des matchs que tu as pu suivre face à Alost. Hein, cette confrontation, triple confrontation ce mois-ci qui a été assez incroyable, une épopée finalement, assez épique. Bah oui, qui se termine de la pire des façons pour le Brussels. Ah voilà, on ne s'empêchera pas de penser à la fin de premier match. Et puis aussi, bah voilà, ils étaient quand même bien partis, hein, ils ont fait un bon match, ils étaient à plus 8 à Lost.
enfin, au moins au deuxième match, ce qui faisait déjà quand même un écart très conséquent. Mais bon, voilà, on va pas revenir en arrière. Je pense que maintenant ils doivent se reconcentrer absolument sur. On se cherche offensivement à Bruxelles, tandis que c'est la CAN, la connexion Centrafrique-Sénégal ne marche pas ce soir inside à Bruxelles, et directement Pape Badji qui va aller sur le banc. Avoir un petit échange au passage avec Coach Jomain. Et qui est lancé? Eh bien, c'est la nouvelle addition bruxelloise, Karacic, que tu as eu le plaisir de voir déjà, Nicolas. Oui, tout à fait. Vendredi. Et qui avait montré qu'il avait une grosse envie, en tout cas au niveau défensif. Du punch. Voilà, tout à fait. Il a des longs segments. Hein. Il a vraiment des longs bras. Il a des bons bras aussi, bien physique. Tim Lambrecht, rebond offensif. Ouais, c'est les deux paniers, c'est les mêmes paniers. Hein. Donc deux paniers intérieurs sur du rebond. Fallait faire quelque chose inside justement tout de suite. Hein. Tout à fait. Donc Karacic, on verra au fur et à mesure, on va apprendre à connaître un peu plus ce garçon. En tout cas, il a de l'enthousiasme. Un qui a de l'enthousiasme, c'est bien lui, c'est Yeri Wuchicha qui va aller marquer les deux premiers points. Ouais. Bah, ça doit venir de lui aussi, hein, parce que bah, je pense que c'est vraiment un joueur qui doit tourner vers. Pour que le Brussels soit bien, il doit mettre ses 15-16 points par match. Je pense que c'est important. Ils ne peuvent pas toujours miser sur le duo Badji Lorente. Il doit y avoir d'autres armes autour de ça encore. Parce qu'on... Tout à fait d'accord. On voit bien que le... Et Lisboa à 3, il sait les mettre. Ah oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui va beaucoup compter. Hein. C'est que les armes sont différentes. Hein. À Charleroi, ça peut venir tant inside, finalement, on l'a vu hein, tout à l'heure avec le rebond notamment de Tim Lambrecht. Et ça peut shooter à l'extérieur. Ça peut shooter à l'extérieur. Et bonne pression de Charleroi, full court. Le Brussels avec Karacic, ils vont aller chercher Hazard inside. Il n'y a personne qui flash au poste pour lui donner sur. Un bon petit trap ici, ça met la pression. Mais par contre, Llorente se ferait un petit chemin. Et voilà, ça passe très très vite. Liber qui est ouvert, Liber, il ne va pas hésiter. Bien sûr. Boom. Bing the ball. Oh là là là, là, l'addition commence déjà à peser un petit peu. 2-10. Pas l'idéal pour commencer ce match, bien évidemment. Très bon backdoor, mais bon switch de Kestelhout. Ouais, les Bruxellois sans doute un peu secoués après ce back-to-back game contre Alost, alors que Llorente n'hésite pas. Hein. Troisième tentative déjà. Bon rebond ici de Karacic. Redonne à Llorente. Et là, ça passe. Là, ça passe. Bien sûr. Mais voilà, ici, d'un côté, on a une équipe de Charleroi qui n'a pas joué depuis 10 jours. Un match officiel, en tout cas. Et on a Bruxelles qui en a joué deux ce week-end. Donc ça peut être aussi. Trop à 3 points, ça allume, Nico. Ça flambe ouais. Même. Ça peut être intéressant parce que voilà, est-ce que le Bruxelles va subir parce qu'ils sont un peu plus fatigués ou à l'inverse. Donc voilà. Mais bah là pour l'instant, ils sont chauds. Oh, Karacic qui provoque. Et Elwan. C'était quand même très très haut, mais bien dans le dribble, mais les Bruxellois vont pas rougir. Il a été tranquillement claqué son petit dunk, hein, le Karacic. Tout à fait. Petit drive, physique, bim. Ce dont on n'a pas encore parlé, évidemment, c'est les retrouvailles de Sergio Llorente avec son ancienne équipe. Et j'arrive même plus à dire ancienne, parce que finalement, c'est son équipe, hein, Charleroi. Il a commencé la saison avec les Carolos. Voilà, exactement. On va voir aussi comment il va mener sa bataille. En tout cas, il n'a pas hésité à prendre ses options. Sur le shooting depuis le début du match. Qui était un espoir du basket portugais. Hein. Lisboa. Ouais, tout à fait. J'ai eu le plaisir de le voir au Portugal justement pour le championnat d'Europe il y a de ça 3 ans maintenant. C'est quelqu'un qui était tête d'affiche. Hein. Le Portugal avait rondement mené cette bataille finalement et avec un fameux Kétia qui a été drafté par les Kings, hein, notamment dans cette équipe du Portugal. Oh, magnifique passe Tim Lambrecht dans l'assist et Kestelhout qui va claquer quelque chose. En parlant de génération, à Charleroi, justement, il y a des petits chocs de génération comme ça qui n'hésitent pas à connecter et à les claquer au-delà.
Et la réponse de l'autre côté. En fait, c'est lui l'homme clé. Là, il est en train de prendre toutes ses options. Il n'hésite pas, garçon. Très athlétique, hein. Et on va tout de suite opérer un changement avec Ito Koch qui va monter. Elise Bois pour son troisième. Il avait fait un 3 sur 3 à Liège en premier quart. Son premier match. Oh, ouais, bien joué. Hein. Ah là. Dommage. C'était ici de Louis Hazard. Hein. Très bien joué de Alano. Et libère. Non. Pas de coup de couteau pour les punir directement. Et sur le banc du Bruxellois aussi, des Bruxellois, ça va réagir aussi avec Terry De Rover qui va revenir. Peut-être pour répondre justement à tous ces shots à 3 points. Et Llorente and one. Llorente, cinquième tentative déjà. Hein. C'est clairement l'atout principal, l'atout numéro 1 offensif bruxellois. Mais je le sens fatigué. Tu le sens un petit peu essoufflé. Voilà, là, il demande son changement. Le coach a dit attends encore un peu. Il a deux souffles dans ses francs. On voit là qu'il est. Ah, il en met de l'énergie. Hein. Ouais, tout à fait. Alors que de l'autre côté, on a quand même un petit Milan Samardžić qui est monté sur le terrain et on va en profiter pour saluer la famille Samardžić également qui nous écoute de temps en temps. Ah. Donc Badji et Karacic qui vont évoluer l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre, oui. Et justement, les instructions, tu vois qu'elle les a transmises directement à coach Jomain sur Karacic qui va devoir adapter sa position. Oui, il va sûrement aller sur le Il va stretcher, il va beaucoup sortir de la raquette là en défense. Ce qui va laisser peut-être un espace aussi à Egito Koch à suivre. Regarde justement Karacic là, il se retrouve inside et Tim Lambrecht était seul. Hein, ouais. Là c'était une bonne défense de Brussels. Ils ont mis la bonne intensité. Oh, c'était limite. Belle petite pression ici de Egito Koch. Alors que là, Badji, il rentre pas dans son match de la meilleure des manières. On siffle une faute offensive. Pour un vilain geste, hein, sans doute, qu'il a eu à l'encontre de son adversaire. Tout à fait. Bah, ouais, il a été un peu avec son coude, je pense. Ah bah justement, un garçon dont on parlait avant match, c'est Noé Boutelli qui monte également sur le terrain à la place d'Alex Libert. Ouais. Noé qui, c'est un jeune, hein, il a 21 toi, ans. Toi, tu connais Noé, tu l'as bercé. Hein, presque. donc voilà, là il est... On va voir, Noé, c'est toujours ses facultés défensives, c'est sûr. Et puis, en situation de 1 contre 1, il est très bon aussi. Après, bah voilà, ce genre de choses ici, on sait que là, d'autres joueurs ont repris son shot. Là, il fait la petite extra passe à Tim Lambrecht, qui était une bonne idée. Deuxième rebond offensif. Tout à fait. Très intéressant. Hein. Alors que finalement, on a et du poids et de la taille dans la raquette. C'est Lambrecht qui va s'imposer au rebond. Il va se retrouver à la ligne délancé pour la première fois ce soir. Écoute, mine de rien, on est à 12-15. Oui. Malgré un début de match où on était à 2-10. Tout à fait. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Donc les Bruxellois savent répondre. Les premières rotations ont apporté certainement quelque chose. Et nouvelle addition, notamment Karacic qui a bien su s'imposer. Oh, tu m'as manqué, Nico. Toi aussi, tu sais. Ah, je sais. Et ça tourne du côté de Charleroi. Ouais. Noah Fogan qui monte à la place de Vincent Kestelot. Bah, ils ont de la fougue, ils ont de la jeunesse. Hein. Ils ont du rebond sur le banc et donc ils en profitent. Ça fait... Voilà. C'est là que tu vas voir à Noé en fait. Couper les passes, justement, empêcher Terry d'avoir des coups de folie comme il a pu en montrer face à Alost. Sûr. Et avec son wingspan, regarde voilà, déjà la taille qu'il a à côté de Terry. Il va avoir la main dans le shot. Hein. Ouais, Terry va devoir se battre. Et Terry va s'adapter aussi. Hein. Regarde, là, une passe très très rapide inside pour Badji. C'est difficile, mais il s'en sort bien. Il s'en sort très très bien, Bruce. Ouais. Ça dive bien, c'est propre. Très bien. Il ne manque pas d'assurance, hein, Egito Koch, hein, quand il est dans son petit arc de cercle, il n'hésite pas. Ouais. 14-19 plus 5 pour Charleroi. Et voilà, ça récupère, ça va partir très très vite. Exactement, et on va chercher sûrement Tim. Oh, wow, ça ne peut pas gaspiller.
On ne s'est pas compris. Alors que Joël Ekamba et Louis Hazard vont remonter sur le terrain. Kugere et Llorente qui descendent. Et Youri Skoupen qui monte sur le terrain côté Charleroi. Ah, y a beaucoup de choses à dire. Hein. Déjà, Joël Ekamba qui a été testé sur ses derniers matchs sur le poste 3 par Jean-Marc Jomain. Ouais. J'ai eu l'impression que ça donnait quelque chose. C'est à suivre. Ouais, il apporte beaucoup d'énergie, du drive aussi et de la créativité. Il a quand même sa taille qui est pour lui. Donc voilà. Oh là là. Passons à autre chose. Donc du coup, il y avait aussi montée au jeu côté Charleroi de quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, c'est Youri Skoupen, qu'on connaît, qui a traversé les parquets hein, du basketball belge et qui a subi une opération, il me semble, hein, l'été dernier, et donc du coup une convalescence assez longue à l'épaule. Et Youri Skoupen qui peut certainement apporter des choses intéressantes à Coach Potsar si justement Tim Lambrecht n'est pas dans un jour avec son shooting. Lui aussi, hein, un profil physiquement relativement similaire à celui de Tim Lambrecht. Belle pression défensive de Karadžić qui fait un match très sérieux, très impliqué. Il porte un certain numéro 35. Youri Skoupen, c'est... Plane, c'est Pavle Djuricic qui porte un numéro 35, je te laisse. Youri Skoupen, oh, merci parce que c'est long. Ouais, je sais, mais c'est ce qu'on me dit souvent. Excellent. Karadžić, maintenant, il a quand même, ils ont peut-être une option du côté de Bruxelles, c'est d'aller chercher justement inside Karadžić face à Skoupen qui, la défense sur le poste intérieur, face à un molosse comme Karadžić, je pense qu'il pourrait avoir quelques problèmes. Par contre, oui, c'est deux joueurs totalement différents sur le poste 4 entre Skoupen et Karadžić. Ah oui, Skoupen, oui. C'est plus extérieur et Karadžić. Mais pour moi, Karadžić, c'est plus un 5 hein, qu'un 4 déjà par défaut. Voilà. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant en termes de match-up. Défensivement, c'est là que je veux voir comment Karadžić se comporte en fait, quand Skoupen va jouer plus en périphérie, va stretcher en fait, sur le terrain. Et les deux lancés sont convertis par Milen. Tout à fait. Ça fait 14-21 plus 7 pour Charleroi. Voilà, et Botulé qui met une bonne pression full court sur Thierry de Rover. Oh, et là, Karadžić va le jouer directement, tu vois, très dans le physique, ouais. Très dans le mouvement. C'est là aussi qu'on va voir comment. Comment Youri Skoupen va résister défensivement hein, face à lui. Parce que bon, Tim Lambrecht, et on le sait, ses grandes qualités offensives ne sont plus à prouver. Mais je pense que défensivement aussi, il y a eu une adaptation aussi en faisant monter un Youri Skoupen pour voir comment il va se comporter face à Karadžić. Tout à fait. Ah, ça va vite, ça va très vite. Ouais, défensivement, ils sont super passe. Ils sont bien au marché. Les Carolo, ça bouge très très bien, hein, même quand ça vient bien aider et bien fermer des portes. C'est très intéressant. Tout à fait. Mais, là, par contre, ça a été vite, mais ils sont nouveaux à plus 7. Hein, ouais, mais ce carton passe très très vite. Hein, pour l'instant, il reste 1 minute 20. Skoupen qui a popé, voilà. Et Milan prend son propre rebond et ça c'est étrange, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Skoupen, tu vois, sur la ligne de 3, où est Karadžić? Tu vois, il va être absorbé naturellement en fait sur une défense. Et Skoupen, tu vois, sur la ligne de 3, où est Karadžić? Tu vois, il va être absorbé naturellement en fait sur une défense à rester une seule. Oh, Terry, il se drive, très très bon drive. Il va déposer cette balle. C'est bien, les Bruxellois ne laissent pas les Carolo prendre le grand écart hein, finalement et ils doivent complètement continuer à compenser alors que Fogang là prend son option intéressante et le rebond est à propos de Bruxellois, il y a quand même 4 Bruxellois sur 10 sur le terrain. Pas mal, hein. Botulí, Kamba, Samardžić, De Rover. Ça fait plaisir. On regarde dans le coin Karadžić. Ah, Karadžić. Et voilà. Et là, la situation pour l'instant. Hein, le plombier ici à Bruxelles. Hein, il est en train de colmater les petites brèches. Ok.
Karadžić, match très sérieux, hein. 7 points déjà inscrits. Et oh, Jitoka joué. Celui-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 18 fois cette action-là cette année. C'est bien amené, hein, c'est bien amené. Premier écran de Fogan. Il y a la mi-temps, c'est enfin, même à la 24e minute, 41-60 pour Groningen. Oui, n'est-ce pas? Et on a un match de coupe aussi, hein, si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à nous en donner. C'est le déplacement, donc le match retour de Mons face à Ostend. Alors que à Bruxelles, ça reprend et on va se concentrer sur. Sur ce qui se passe à Hanover. Ah, exactement ce que peut faire Joel Ekemba, des drives, essayer d'aller fixer pour pouvoir ressortir son ballon, voire même parfois aller finir à l'anneau d'une manière assez dure. Karadžić a déjà une belle petite évaluation pour son premier quart, une évaluation de 15. Voilà, bonne passe de Terry à Badji. Là, il ne faut pas rater ça, c'était bien joué. Mais Scoopen était dans la rotation, dernier homme. Oh oui, Milan c'était plutôt bien créé, mais la finition manquait. Il a hésité main droite, main gauche. Ouais. Pas mal, il a donné un petit coup d'accélérateur justement face à Joel Ekemba. Intéressant comme match-up aussi. Voilà, Kog et Fogan qui ont switché. Directement l'aide et le trap. Ça doit ressortir encore. Terry de Rover qui appelle la balle désespérément de l'autre côté. Et là, c'est. C'est gâché. Il avait fixé trois joueurs presque. Hein. Ouais, et là, ils ont le early ball screen. Voilà, ça va diver de nouveau. Ouais, Milan va bien, se retrouver dans une petite condition de terminer, déposé par un magnifique petit teardrop, hein, comme on dit. Prend ses responsabilités. Ah. Ok, Kog et Badji, attention. Ça sort fort. Badji qui prend ses petites options aussi, shoot baseline, pas mal. 21-25. Diamond, Liber qui sort. Scoopen qui va sûrement jouer pop. Non, il dive. Deuxième écran. Oh, une faute ici soufflée pour Terry de Rover. Bien agressif comme il faut, hein, Milan, dans cette décision aussi, je trouve, hein, sur son premier pas. Oui, tout à fait. Tim Lambrecht qui remonte pour Scoopen, qui a fait une bonne entrée. Hein. On l'a pas vu offensivement, mais défensivement, il était en place. Et voilà, quand on pense au nombre de semaines où il était absent, pas mal pour un retour. Le 2-2. Est-ce que ça reste... Voilà, très bonne passe, Liber, qui doit jouer 5 secondes. Il essaie d'aller chercher la faute. Très difficile, et le rebond est bruxellois. Petite faute de Milan Samardžić sur Terry de Rover. Attention, capitaine de Rover, à ne pas en rajouter dans les gestes non plus. Oh, il va terminer. Ouais, je pense. Ah, voilà, j'ai marché. Et Llorente va remonter sur le terrain. Faire souffler Terry de Rover. Tout à fait. Sergio Llorente qui a eu le temps justement de respirer. Bah, petite discussion entre arbitres. Oui, en effet, parce que ils ont, pour la rentrée, hein, c'est une rentrée sideline étant donné qu'il avait marché. Et pas de points, hein, de Terry de Rover. Tim Lambrecht dans le drive. Dans le drive, en effet. Qui siffle 3 secondes. Ok. Ouais, j'ai pas très bien compris. Il est parti du top là-dessus. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Assez étrange, en effet. Bon, c'est reparti 21-25. Hein, ouais. Le match est assez proche. Hein, finalement, les deux équipes se disputent bien. Voilà, on trouve bien inside. Le lift et on va donner inside.
Et là, c'est offensive. Mais Badji, deuxième le fait, offensive. C'est pas la première. Badji, hein. Et là, Jiří Vučiča va rentrer. En plus, ce qui se passe avec un joueur comme Badji, il est scouté. Il y a des vidéos et on voit ça souvent, fréquemment avec lui, qu'il a son petit mouvement d'épaule, de coude pour se créer un petit espace pour pouvoir aller finir. Mais les équipes le savent et le rôle des coachs, évidemment, c'est de prévenir l'opposant et lui dire écoute, n'hésite pas une fois à reculer pour montrer qu'il y a faute. Et c'est, voilà, c'est ça, tout à fait. Karačić, deuxième. Vrai renard de surface. En Pipo Inzaghi, 10 secondes. Hein, fait penser un peu à Vincent Renard d'ailleurs. Je ne sais pas si tu connais Anivel. Je n'ai pas le plaisir, mais on le salue. Bien là, il nous écoute. Vincent Levins. Je les Kemba à 3. Ça bingo pour le Bruxelles, ça fait 24-25. Et temps mort sera pris pour coach Rotzart. Premier temps mort du match. Lisboa va monter. Il y a de la rotation, hein. Il y a du poids, il y a du physique aussi. Et puis il y a des garçons très agiles à 3 points, on l'a vu. Avec notamment un Lisboa qui est remonté sur le terrain. Lisboa, je suis aussi curieux de le voir en défense. Hein. J'aimerais voir comment il se comporte justement. Alors, on va aller chercher Kuta inside. Ouais, face à Karačić. Là, il y a du poids. Trois, croix. Et il arrive quand même encore à terminer avec sa fameuse main gauche. Ouais. Et Karačić se dit je vais devoir sortir toute mon armure contre lui. C'est ça. Très bonne défense. La défense est haute. Lorente qui donne bien. Très bonne rotation de Fogan. Attention, il y a Bokicia qui est tout seul. Pied sur la ligne. Le pied sur la ligne, hein, les Bruxellois, ça, ils l'ont connu malheureusement, tristement. Hein. De nouveau chez Kuta, intérieur, il a sa mission. Alors que, comme tu l'annonçais, Vincent Kestelot va monter sur le terrain. Voilà. Et on voit que quand il donne le ballon inside du côté de Charleroi à Kuta, leur mouvement c'est d'amener Lisboa du côté justement du ballon. Et on a vu Lorente qui vient pour faire un petit stunt. Si là Kuta ressort à Lisboa avec son arme à 3 points, ça peut faire mal. Ok, Lambrecht. En effet, l'opposition peut être intéressante à suivre et ça, c'est frais, toujours un chemin vers l'anneau. Oh, mais Tim Lambrecht oublie la balle. Il récupère malgré lui, Hazard, le ballon. Et là, les Bruxellois, toujours collés. 26-27, pardon. Ils sont prêts. Et là, Lisboa, c'est très haut. Libère. Il a bien joué. Bien 3 secondes là. Là, c'est clair. Pas oublier de faire un petit step en arrière de temps en temps. Mais ça a très très bien tourné. Ce Givengo. C'était bien. 1-2. Tout à fait. Aïe. Comme à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Guéré avec Estelot qui défend sur lui. Kuta qui doit lever ses bras. On n'est pas loin du marché. Et la très bonne main. Et Karačić va chercher la faute. Karačić très très présent. Très très présent dans les phases offensives. Très présent aussi défensivement. On a vu avec deux steals, je pense, à son actif déjà. Et finalement, nouvelle arrivée, mais arrivée avec un. Avec un élan. Il est présent. Et quand je parle d'élan, je ne parle pas de l'animal, évidemment. Non, mais il est... Même si, en termes de proportion, il n'en est pas loin, le bougre. Effectivement. Et voilà, son premier lancer franc pour ramener le Brussels à égalité. Il donne beaucoup d'énergie. Hein. Un garçon qu'on n'a pas encore vu beaucoup côté Bruxelles offensivement, c'est Max Kougueré. Hein. Alors que là, c'est Vukan qui est lancé sur le terrain, sur le poste 2, justement, on va combiner avec Lisboa, ça va être intéressant à suivre aussi, comme option.
Il en a des options, hein, coach Rotsart, justement, des garçons très polyvalents à l'extérieur. Et Coutard, waouh, super passe, hein. Ah, bel exemple aussi, très très bien, le petit roll assez rapide, hein, de Coutard. Il s'est retrouvé seul, hein. Charleroi qui a déjà tourné avec 10 joueurs. 11 non. Charleroi avec 11 joueurs. Ouais, tout à fait. Il y a déjà 11 joueurs qui ont joué. Et du côté du Bruxelles, ils ont joué pour l'instant avec, avec 7 joueurs. Ouais. Donc voilà, il va falloir tenir physiquement tout en sachant qu'ils ont deux matchs dans les jambes aussi. 8 joueurs. Hein, 8 joueurs. Ok. Ouais, Badji, lui, Hazard et Joël Kamba sont ici sur les petites imprécisions techniques. Ouh, Terry, et le Bruxelles passe devant pour la première fois de cette rencontre. Ça fera 31-29. On n'entend pas de faute. Castelota 3, il sait le faire. Ouh, ça ne marche pas tout de suite. Oh là là, Karacic, bam! Oh là là, ce garçon, c'est son troisième dunk ici en première mi-temps. Ouais. Tout en force, tout en athlétisme, tout en... à la main, me semble-t-il. Et on le rappelle, hein, Anthony Chada qui a rejoint les rangs bruxellois aussi. Décision ouais. assez rapide, hein, qui est tombée dans la semaine. Dans la semaine dernière d'ailleurs, juste avant les matchs contre Alost. Voilà, premier écran, deuxième écran, ça travaille bien, ça retrouve intérieur. Ah non. Et là, Karacic, seul espaceur. Très très physique. Hein, voilà. Oh ouais, c'était bien vu, mais bien suivi surtout de Terry de Rover qui savait, il s'était un petit peu téléphoné. Et là finalement, Terry attend beaucoup de son big man aussi. Hein. Et Karacic le prend. Ce 3 est un petit peu court. Et il va retrouver le banc immédiatement. Ouais, je pense qu'il doit souffler aussi. Il sort très bien. Et donc du coup, Kestelot se retrouve dans le corner. Ça ne connecte toujours pas pour Vincent Kestelot. Ouais, pour l'instant, ça ne rentre pas les shots. C'est voilà. Des bonnes options. Le, hein. le Brussels est à plus 4. Et on va suivre justement là la manière dont Terry va organiser son jeu. Voilà. Oh, ils sont en retard sur le RT. Wow, c'était bien. Ah, je pensais qu'il prenait le shot et très bien joué pour faire plus 5 pour Bruxelles. Plus 6 même. Oui, allez. Hein. Ouais, mais... Ah bah ouais, mais bon. Ah, et la très et bonne Terry, défense de Kitch qui va la jeter en l'air. Sûrement. Non, il va attendre. Il a le temps. Il a le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et là, Max Kougueret pourrait aller poster Samardzic. Il pourrait. Oh, belle passe ici pour Llorente. Llorente de revers de loin. Il était à 8 mètres. C'est incroyable. Lui, il préfère jouer difficile en fait, Terry, j'ai l'impression. Et Coq va prendre ce petit shot, pourquoi pas. Ça travaille plus, hein, du côté de Charleroi, ça bouge ça plus. Ça fait plus 9, alors que là, il y aura du changement, sans doute. Mais là, ça manque de leader à Charleroi, ça manque de communication, ils sont tous en train de subir le jeu. Tout à fait. Trois changements d'affilée, donc on a Milan Juriskopen et Alex Liber qui reviennent au jeu. Et c'est pas l'enthousiasme habituel de Charleroi, je trouve. C'est peut-être là aussi, hein, le manque de rythme, c'est dans ce... on peut se dire... Ouh là là, ça c'était difficile pour split the screen en fait de Terry et... Oh, il va le chercher, Vucic. Qui l'arrête. Ah, il va R Vucic. Ah ouais. Ah, là, il va le chercher, ben oui, il va le jouer. Et Alex Liber fait faute, hein. Ben oui, il faut faire faute, en effet. C'est pas la cinquième. Mais, ouais. Mais il fallait la faire, il est en mismatch hein, quelque part. Ouais, sure. C'est, ça restait une option. Ouais.
Référé Krejic qui est un petit peu remonté, hein. Et il continue à donner la leçon à Vučić. Et qui lui explique que c'était pas en néerlandais. Hein. Tu as du temps. Non, je me permets de faire la traduction. Tu as du temps en fait sur la ligne pour faire ton. Allez, je dirais tes mouvements traditionnels, ton cérémonial, hein, si je peux l'appeler comme ça. Donc viens faire ça ici. Ah, ils doivent marquer du côté de Charleroi. Oh oui, libère, non ? Et Coq qui prend le rebond. Et Milan, il a de la place et il va le jouer. Voilà. Il va le déposer. Je trouve que Milan fait un match très intéressant. Ouais. Il est propre. Ouais. Il est bien là en défense. Parce qu'on n'a pas encore vu beaucoup Llorente depuis le début. Attention à Terry, ouais, il est en sortie d'écran. Voilà, pour Pagé, mais il faut pas le dire. Hein. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Oh là là, Vučić. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Vučić, shot très difficile et ça fait plus 10 pour les Brussels. J'avais juste l'impression qu'il avait le pied. Ouais, mais tes impressions parfois sont justes. Mais pas le demi-pied, non. Temps mort du côté du Brussels pour la dernière possession. Et il reste 14 secondes. Il restera 14 secondes, en effet. Et ça fait plus 10 hein, pour le Brussels. Très, très sérieux. Vučić qui apporte aussi toute sa contribution dans ce match. Qui ne se fera pas en zone offensive, la rentrée qui se fera en arrière, retour baseline, puisque c'est sur le panier marqué qu'il faut revenir, le lancer franc est cadeau. Et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles, en fait, que tu nous étales toute ta science, tu vois, justement, parce que il y a quelques clés, en fait, suite à ce type de choix que tu peux faire en tant que coach sur la position de ta rentrée suite à un tournoi. Bah, ça c'est essentiellement ce n'est que dans les deux dernières minutes du match. Certes, ici, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Tout à fait, on a souvent des débats hein, pour savoir si on a il reste 40 secondes, entre 40 et 50 secondes, est-ce qu'on va prendre un temps mort baseline ou un temps mort en zone défensive ou en zone offensive pour avoir essayer d'avoir deux attaques au lieu de une. C'est des choses qui se font de plus en plus souvent. Et même en Euroleague, à 18 secondes, ils prennent encore 16 secondes, ils prennent des rentrées. On va laisser suivre le match au Badji. Ouais, il a pris son option, c'était pas si mal joué. Et les Bruxellois vont rentrer au vestiaire avec un confortable avantage pour de 11 points. Tout à fait. Deux chiffres. Ah merci Nicolas, tu as le doigté parfait, hein, le doigté final pour appuyer sur ces boutons et réactiver finalement notre travail de commentateur ce soir, la mi-temps. Est-ce que les Carolo se sont fait gronder dans les vestiaires? La réponse est oui. On les a entendus. Hein, ouais. Ici. C'est un peu chauffé, donc on va certainement assister à une rébellion du côté de Charleroi. Mais est-ce qu'on va assister à une remontada, surtout avec Tim Lambrecht? La réponse est, en tout cas, on est revenu pour en faire une. Et voilà, c'est ici en défense qu'ils vont vouloir sortir les crocs. Exactement. Et le Bruxelles qui va devoir gérer leur avance. Mais c'est là qu'ils doivent les sortir, justement, les crocs. Hein, parce que les Bruxellois ont trouvé des solutions et Vučić ne connecte pas. Hein. Non. Ouais, Charleroi, ça remonte très très vite avec Libère. Llorente, il est vraiment intéressant sur ses ball screens. Il prend une dimension, un espace avec ses écrans et il attire toute la défense. Oh, et puis Libère à 3. Pas tout de suite. Ça rentre pas. Et très bon rebond de Kestelot. Le rebond. Il était à la pêche à la balle. Hein, parce que... Oh, Lisboa. Magnifique. Très bien joué. Il recommence idéalement du côté de Charleroi avec un plus 5 direct et donc le score est revenu à 6 points de différence. Voilà le 2-2 avec Llorente. Kuta qui revient très très bien. Oh, ouais, belle passe. Zar qui trouve son petit chemin justement pour aller déposer la balle.
Ouais. Important pour les Bruxellois de ne pas se faire distancer tout de suite, en tout cas pas trop. Là, c'est, ça reste plus 8 alors qu'on était à plus 11 à la mi-temps côté Bruxelles. Et Lisboa se fait son chemin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Quand le ballon va intérieur chez Kuta, il ramène Lisboa du même côté. Et là, Lorente n'a pas été faire de stunt, donc il n'y a pas eu de shot. Mais par contre, ça s'est terminé en 2-2 dans un petit espace et il a trouvé son petit flotteur. Bonne défense. Allez, bah, bien. Dommage pour lui, il ne termine pas, hein, donc ça ne fera pas end one. Badji qui cherche encore à rentrer complètement dans son match. En tout cas, il a toute la confiance de Coach Jomain parce qu'il est reparti dans le starting five, hein, directement ici. Alors qu'à Bruxelles, il y a un monsieur Karacic, hein, sur le banc qui a fait une excellente première mi-temps. Tout à fait. Ah, Pape Badji, qui va peut-être nous faire un 2 sur 2. Oui, et puis nous faire un autre match, hein, finalement. Ouais, ça fait 2 sur 2, c'est son sixième point, hein, Pape Badji. De rien. Ouais, t'aimes bien la défense de Llorente, tu me disais. Ou bien non, c'était son travail sur ball screen offensivement. Ouais, tout à fait. Je le trouve vraiment fort dans la lecture et dans les espaces qu'il arrive à créer. Ouais, libère. Ah ouais, elle partait bien. Hein. Ouais, on la voyait tout le temps dedans. Mais Charleroi a besoin de son shot. Hein. Mm-hmm. En tout cas, shot marqué. Ouais. Défensivement, ok. Maintenant Max Cougueré, mais qui ne prend pas beaucoup d'options aujourd'hui. Il faut qu'il se libère un petit peu. Et très bien joué, très bien joué. Ça connecte. Ouais. Et ça revient à plus 11, hein, pour le Brossette. Tout à fait. Vucicic qui passe meilleur marqueur pour l'instant de la rencontre à 12 points. On cherche à intérieur Kuta. Ouf, là il y a faute offensive. C'est très bien vu. Ouais, il lui a mis une belle petite manchette. Il y en a eu quelques-unes, hein, des fautes offensives aujourd'hui, déjà, avec Badji, deux, on s'en souvient. Et Bruxelles qui est de nouveau à plus 11, hein, comme au début de cette mi-temps. Intéressant, avec une possession justement maintenant. Et Cougueré à 3, il va le prendre. Oh, voilà. Ça partait bien, Max Cougueré qui nous fait. Ouais, parce que franchement. Vincent Castello, tu avais la main dans le visage, hein. On ne sait rien dire défensivement. Ouais. Il était prêt, il était là. Très beau shot de Cougueré. C'était bien joué. Attention à ce passe. Libert qui a frôlé la faute offensive. Et le rebond du côté. Aïe, sacafouille. Sacafouille. Et la balle est pour Charleroi, en effet, parce que ce sont deux Bruxellois qui se sont un petit peu marchés l'un sur l'autre. Fait. Alors qu'on a Kuta et Libert qui rejoignent le banc, et donc du coup Kok et Vukan Samardžić qui montent. Vukan voilà, va jouer ce genre de choses. Il connecte très fort. Break. Voilà, oui, très bien. Mais le premier pas de Vukan, il est très fort, hein, Samardžić. Et on voit la différence maintenant entre Vukan et Milan, vu que Milan est le deuxième meilleur. Et Badji, ça ne connecte pas tout de suite. Vukan qui lui évolue plus sur le poste 2. Voilà. Et Vukan, ouais, bien joué. Deuxième fois. Ah. Et les deux points. Ah. Moi j'aurais dit N1, étant donné qu'ils touchent la planche. La planche, ouais. Mais peut-être qu'il touche d'abord le ballon et puis la planche. Enfin, le ballon, la main en tout cas. Mais... Ouais, bon. Bah ouais. Et du coup, Vincent Kestelot qui peut ici recoller à 10 points s'il convertit son deuxième lancer franc.
Ça fera plus 10 toujours pour le Brussels. L'écran, ça switch du côté. Ouais. Badji qui se retrouve à l'intérieur. Si la balle va vite, voilà. Ouf. Ouh là là. Voilà. Attention les coups, attention. Les Badji. Oh, Kugere qui était là touché quand même. Là, on a un 5 contre 4. Et la faute très très intelligente de Llorente. Et importante hein, de Llorente pour bloquer, c'est sa première faute en même temps. Elle est bien mise parce qu'il bloque du coup cette transition. Hein, ouais, parce que Kugere était encore resté au sol et défensivement Kugere. Quand même un garçon qui a quelques, hein, quelques biscottos, comme on dit. Voilà. Ouais, alors Lucan qui va devoir créer ici sur le ball screen. Qui bien Lisbois. Bim! Ça connecte, ça fait plus 7 pour le Brussels. C'est déjà son troisième 3 points, si ouais. Je ne m'abuse. Il est déjà 13 points, Lisbois. Gâchette portugaise. Meilleur marqueur de ce match. Voilà, Llorente qui crée cet espace et puis il trouve toujours une solution. Ouais, faute de Tim Lambert. La seconde. Ah non? Ok. Perception, you know. C'est la troisième, quatrième fois qu'on allait en troisième. Je. Voilà, ça en fait des secondes. Hein. C'est ça que tu dis. Néanmoins, ici, Charles. Oh, pas loin de la faute quand même. Hein. C'est une question de l'autre qui doit donner inside. Maintenant, le mouvement. Lambrecht. Qu'est-ce qu'il siffle? Ah, ok, faute offensive. Alors ce soir, on a un florilège de faute offensive et de 3 secondes. Écoute, on reverra ça sur nos écrans. Allez, on veut voir du basket. Karacic très haut ici. Voilà, Tim Lambrecht. Allez, Kugere, il va l'attaquer. Hein. Ouais. Que... Bonne main de Lisbois. Attention, Terry. Terry qui se fait un chemin. Oh là là, cette petite. Oh là 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 là, cette petite passe en... derrière le dos. Un peu désespéré, Kugere qui connecte. Une réponse sur droit. Et il faut trouver inside. Ouais, sur le. Et Kugere justement qui met 6 points dans ce carton, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, aussi, c'est l'arme offensive qui manquait pour l'instant. Il avait déjà fait ça hein. Au match, premier match ici en Coupe de Belgique contre Alos, première mi-temps invisible, ouais. Mais très vite sifflé deux fautes, et puis en deuxième mi-temps, c'était une machine. Ouais, N1. Très bien joué. Très bien joué. Là, il... On voit le talent. Hein. Ah, il est au-dessus. Hein. Il a des mains, le garçon. Ah, il a des mains. Tu peux me rappeler son âge? Génération 2000 hein, il ouais, me semble. Je pense aussi, hein. Donc ça doit être 2000 ou 2001. Très intéressant. Ouais, belle perspective pour le garçon. Il a un vrai shot, il a des bonnes jambes. Et il est vraiment capable d'accélérer sur peu d'espace. Et. Lisbois, en fait, mine de rien, est à 16 points. Ouais. Solide. Très, très solide. Lui, il a compris le message du coach à la mi-temps, je pense. Terry on the catch, il aime bien ça. Ouais, voilà, voilà, voilà. En sortie d'écran comme ça. Très, très bonne utilisation de l'écran. Pose pas de questions. Il est bien, il est dans une bonne période là. Ouais, ça connecte bien avec. Voilà, Kistelot qui doit le mettre. Non. Llorente va prendre tout son temps hein, aussi pour poser ce play pour le Brussels.
tout son corps. Voilà, Kugere va, voilà, et bim. C'est 3. Oh. Sur Karacic. On n'a pas encore beaucoup vu dans ce troisième quart, Karacic. Et il a arrêté son dribble. Attention, attention. Et un intérieur. Ah, voilà, voilà, c'est perdu. Emergency. C'est très, très brouillon. Hein. On a le sens, justement, de l'urgence, hein, comme tu dis à Charleroi. Ouais. On veut vite rattraper, vite recoller au score. L'option viendra peut-être du banc. Et coach Rotzarf qui remet Libère et Milan Samardžić. Ouais, mais en fait, Vukan Samardžić n'aurait pas dû arrêter son dribble. Il n'était pas dans une situation tellement dangereuse. Et donc, ça a créé une problématique. Joli Kamba qui est monté à la place de Louis Hazard. De Max Kugere, pardon. Oh, là, c'est une faute de Karacic. Qui va être sanctionné pour sa troisième faute. Et de lancer franc parce que Bruxelles a... Enfin, cinq fois d'équipe. Ouais, donc du coup, mine de rien. Alors que... Je vais sortir une facture. La pension alimentaire, peut-être. Oui, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Évidemment, on n'a pas toutes les informations. On essaie de vous tenir au courant hein, du mieux qu'on peut. Mais une facture, je ne pense pas, hein, Nicolas. Par contre, ça interpelle beaucoup de monde. Je pense que c'est un problème de faute au marquoir. Ok. Et de faute sur le papier de statistique. Troisième faute du 35, dit le banc. Et voilà, alors Rev Krejic aime bien insister quand même et dire tu restes bien assis. Hein, mais Fivos Levaditi, c'est un hooligan. Un hooligan ou un nou hooligan. Bon, il s'est passé plein de choses, mais mine de rien, ici finalement, la faute, c'est bien pour Karacic. C'est de ça, a priori, qu'on se plaignait hein, sur le banc bruxellois. Ouais, c'est un problème du nombre de fautes. Ouais. Et 2 sur 2 pour Tim Lambrecht, 7 points d'écart. Exact, 7 points d'écart, ça recolle pas mal. Alors que Juris Koupen va faire souffler Tim Lambrecht. Joël Akamba qui est remonté aussi sur le poste 3, on ne l'a pas mentionné encore. Il y a un match-up. Et Kamba à 3. Ouh là là, il a déployé que toile d'araignée pour l'instant. Ouais, ils doivent attaquer Karacic, bien entendu. Ouais, Karacic. C'est un match intéressant. Hein. Oui. Il y avait hors jeu. Colère. Il y avait hors jeu. Il est descendu, monté. Ah, ça, l'arbitre va dire non. Ah là, non, non. Monsieur Karacic a l'œil surtout. Voilà. Krejic, pardon. Krejic. Il voit tout. Hein. Qui est-il? Ce formidable héros du temps nouveau. Kemba qui sort, Terry de Rover qui va prendre le double écran. Le vieux shooté ? Non, pas tout de suite. Là, voilà. Et là, ça il aime bien. Ça il aime bien, attention. Et on a tout le banc de Charleroi qui est en train de pousser l'équipe. Il est sur la ligne et le coach qui calme un petit peu. Technique bientôt, je sais pas de quel côté, mais il y a quelque chose qui va tomber.
On sent. Et si ça va être mental, hein. Ça va être mental. Attention au flopping. Attention. On l'a dit au début de la rencontre. Et Milan. On vérifie s'il a un peu de sang ou pas. Il en a pas. J'en ai plus. Plus rien. Est-ce que j'ai encore eu? Ah mon Nico, tu m'avais manqué, je t'avais dit ça. Il avait du sang. J'ai encore quelque chose maintenant, mais... Bon, allez, justement, ici Charleroi peut revenir à moins 6. C'est intéressant, hein. Ça annoncera un excellent dernier quart. Ouais, c'est deux possessions. Hein. Ouais. Noah Fogang aussi sur le terrain, défensivement on peut apporter quelque chose. Voilà, on cherche le 2-2. Milan qui fait une très très bonne défense sur Lorente, ça switch. Est-ce qu'ils vont savoir encore quelques joueurs et Non, par contre, Pape Badji qui prend un excellent rebond, qui ressort pour hasard. Et là, Inside et Kemba étaient seuls. Oh, Lorente. Ouais. Panier important. Hein. Ouais, très important, très très important. Gardez la distance. Hein. Gardez la distance. Et Alex Liber, seul, corner. Voilà, bim. Enfin, il était temps. Ça fait plus 8. Ça fait. Non, normalement, ça ferait plus 5. Plus 5, pardon. Plus 5 pour Charleroi. Attention, voilà. Ça fait bien plus 5. Pour Bruxelles. Oh là là, Nicolas, heureusement que tu es là. Hasard. On va aller chercher Badji, bien entendu. Et ils peuvent encore donner une faute du côté de Charleroi. Oh là 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 là. Et qu'est-ce que c'est? En faute de Badji. Troisième faute offensive de Pape Badji. Alors, ça conteste pas énormément. Non. Ça conteste pas énormément. Ben, on le disait là tout à l'heure, hein, Pape Badji. Ouais. Ben, je me demande si c'est pas sa troisième faute offensive en fait. Il y en a deux d'office, mais ouais. Je sais plus si la première c'était une offensive. Incroyable. Alors là, excellent troisième quart finalement. Ou en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est la gestion. Et alors là, Chibangu qui vient de monter. Bah oui, pour défendre. Pour empêcher. Et il n'empêche pas suffisamment. Et ça fait end one. End one. Eh, Milan. Ouais, gros match. Ouais, premier pas explosif. Et on en profite pour re-saluer la famille. C'est vrai. Tout à fait, exactement. Et attention, là, Charleroi. Oui, mais quand Charles tu veux prendre la parole, je te la donne, mais il faut parler. Le ref Krejc qui a vu de nouveau quelque chose. Krejc, c'est toujours. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il reste 3 secondes 3. Oui. Et Charleroi, encore une faute à donner. Ah, ça. Donc, ils peuvent empêcher. Bien vu le Lynx. Là, il faut le convertir hein, pour les Carolo, parce que ça reviendrait à moins 2. Avec une faute, à donner. Ah, et Chibangu a pris toutes ses responsabilités, on l'a laissé aller. Non, Fogan, on n'a pas de faute. À droit, parce qu'on shot à 30% à 3 points. Au niveau du rebond, ça se dispute plutôt bien. On est à 26 Charleroi, 22 Brussels. Ça annonce une belle fin de match. Une belle fin de match. Tim Lambrecht, 7 rebonds et 11 points. Wow. Même à souligner. Et puis Lisboa, 16 points et surtout un 3 sur 4 à 3 points. Il les force à jouer haut là hein, pour l'instant. Bonne défense. Bonne main de Fogan. Et Milan ne le prend pas. Il feinte bien. Il le dépose. C'est magnifique. Magnifique. Maestro. Maestro ce soir. Proprement, il s'est infiltré, faufilé. Et là, du coup, c'est fini. Hein. C'est 0. 0-0 là. 0-0. On a un mismatch pour Kougueré. Et c'est une bonne faute de Milan. Ouais, on fait une faute. C'est intelligent.
Jokic. Oh là 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 là. Bah écoute, c'est, tout est là, hein. Tout est là. Moi, je vais apporter, je vais commencer à apporter des conclusions. On perd le match mentalement si on le perd ce soir. Et quand je dis on, évidemment, je parle du Brussels. On fait pas partie, hein. Ouais. Voilà. Mais là-dessus, les garçons doivent se poser des questions. C'est mentalement, c'est tout. C'est tout. Alex Libert, un peu court, ouais. Un peu forcé aussi, hein. Mais oui, et puis on verra, hein, ce qu'on a dit en début de match. Attention au quatrième quart temps. Ouais. Attention au quatrième quart temps, étant donné que la gestion de la fatigue des deux matchs contre Alost, la gestion de Charleroi, qui de leur côté, eux, ne sont pas en rythme comme Bruxelles, étant donné qu'ils n'ont pas joué depuis 10 jours. On verra s'il y a une différence et à qui elle va apporter le cours des choses. Alors là, attention, des deux côtés, on a beaucoup, beaucoup de gâchis. Il y a des déchets. Il faut rester lucide. Il y a des déchets, en effet. Et Libère à 3. Oh ah, c'est son anniversaire, il le montre. Oh là 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 là. Ouais, quand il est chaud, il est chaud. Belle défense ici de Koch qui doit revenir. Ah, attention, Krejic passe en portée. Karadžić, pardon. Je t'en prie. Oh, la réponse du capitaine au capitaine. Gros shot de Terry Derover aussi. Belle efficacité ce soir également à 3 points, Terry Derover. Attention, là, contre 1. Il va le jouer. Hein. Voilà. Et libère à 3. Oh, super, ouais, oh, faute offensive de Koch. Faute sur Ito Koch. Ouais, en effet. En effet. Alors que les deux bancs, hein, ont compris vraiment l'importance de donner cette énergie supplémentaire. Tout à fait. 62 partout. Ouais, faute offensive de Terry. Attention, ouais, quatrième faute de Terry Derover. Tu l'as vu? Ouais. Tu vois énormément de petites failles, j'ai envie de dire, de petites pertes de balles, de manque de concentration, de petites distractions. Voilà. Un référé attentif. Et Milan va le prendre. Oh là là, il est chaud, l'homme est chaud. Fer. L'homme est chaud. Quant à Lisboa, qui est très chaud, et Milan. Ouais. Très chaud. Je pense que sur le poste 1, ça bouillonne. Là, le potage, il est bon. Le potage est bon. Évidemment, intéressant ce qui est en train de se passer. Oh, la passe. La pression constante qu'a mis Alex Libert sur le ballon ici, ouais. Dans les mains de Papé Badji, n'est pas pour rien. Bonne présence aussi des Français. Oh, il faut qu'il va claquer quelque chose. Bim! Oui, bien sûr. Il faut se lever à Bruxelles. Il faut se lever à Bruxelles. Et faute de Libère, sa troisième. En effet. Bah, écoute, on est. On est très présent, hein. On est très présent à Charleroi en défense. On n'hésite pas. Et là, c'est plus 5, hein, Nico. Plus 5, ouais, ouais. Lisbois qui remonte.
pour terminer le match, à mon avis. Il repose un peu Libère. D'ici 2-3 minutes, à mon avis, on verra Libère revenir pour Milan Samardžić et laisser peut-être Lisboa sur le terrain. Oh, voilà, mais Badji, c'est ta troisième faute offensive, grand. Incroyable. Incroyable. Alors, tu vas me dire, oui, le référé, là, il s'est positionné et il sait à chaque fois ce qu'il doit surveiller. C'est juste, hein. Bah ouais, à chaque fois. À chaque fois. Wow, magnifique passe de Lisboa dans le trafic, en plein milieu de la raquette. Ça se termine sur un gros, gros dunk. Là, Charleroi, s'ils font encore deux stops consécutifs, ça va vraiment être compliqué. Hein. Et ils ont envie de faire ces stops. Bruxelles doit absolument marquer. On avait dit qu'il devait aller chercher le secteur intérieur. Ils l'ont fait. Badji, malheureusement, a fait une faute offensive là-dessus. Ça sort très, très haut du côté de Koch. Badji qui a la balle, il ne va plus oser faire son mouvement. Voilà, et voilà, il est obligé de se retourner et c'est plus du tout la même chose. Qui laisse le Brussels sans vie sur que, ce panier. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui peut-être l'élément, l'élément clé, le facteur finalement X du Brussels? Et le deuxième écran, ça va être. Allez, hop, hop, voilà, je l'avais annoncé. Aïe. Aïe, aïe. Je pense qu'il s'est pris. Bobo. Ouais. Ouais, il a pris un coup, hein. Il a pris un coup plus qu'autre chose. Bah, je sais pas ce qu'a pris Max Cougueret au passage, mais. Max Cougueret qui dit qu'il a fait un bump sur le dive. Il a fait un mais bump. On va demander une vidéo quand même. Hein. On va demander une petite VAR. Ah, le VAR, c'est beau, hein. Belle région. Ouais. Ouh, oui. Est-ce que c'est le 13, le VAR? Ah non, ça, ce sont les Bouches du Rhône. Ah, les Bouches du Rhône. On dit plus sur les Bouches du Rhône. C'est vrai. Les Bouches du Rhône. C'est celle-là. Parce que le VAR, oui, ne pourrait pas être numéro 13, parce que, en fait, c'est un ordre alphabétique. Tu sais que là, tu m'en apprends une belle. Hein. Donc, moi, j'ai jamais maîtrisé. Bouche du Rhône, c'est la B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, ça fait 13. Dans les premiers, comprends. Tu vois. Ouais, logique. Ah oui. Ah, et donc, le VAR, comme ça, tu me demandes. B, deuxième lettre. Tu me demandes, je te le dis. 84. Ouais, 84, voilà. Le VAR. C'est ça. Meurthe et Moselle. 56. Allez, avec Boudoul, je veux dire, la Haute-Savoie. 64, voilà. Voilà. Lyon, 69, allez. Ouais, Paris. Là, 75. Y en a ouais, mais il y en a quelques-uns. On salue le 9-3, le 9-4. Salut Trapp, 7-8, 7-7. C'est Milan Brecht. Aïe. Alors là, Milan Brecht commence à mettre des coups de couteau là-dedans. Ce joueur est quand même. Moi j'aime beaucoup hein, sur ce poste 4, cette petite main gauche. Écoute, là pour l'instant en tout cas. Bah on va voir. C'est jamais. 22, 73, 442, numéro 10, Zizou. Ah, c'est reparti, grosse défense. Midland, mais il est très très haut. Ça défend bien. Koch qui sort très très bien, qui revient toujours à temps sur Papé Badji. Ils n'ont pas le temps de lui donner l'intérieur. Badji, Milan qui va pour redoubler. Hasard, compliqué. La bonne main de Noah Fogan et c'est reparti. Faute de Louis Hasard. Et on voit Terry De Rover qui va remonter au jeu. On a besoin de son scoring, hein. Parce que pour l'instant, Hazard déploie beaucoup d'énergie, voilà, mais 2 points seulement à son actif pour le moment. Voilà.
Oh, bien sorti, sur Fogan, qui va prendre son propre rebond. Dans Lambrecht, pardon. Ah, il le joue bien. Allez, tout en finesse. T'as un poste 4 comme ça, tu vas faire presque un Eurostep layback. C'est beau, c'est propre. Plus 10. Plus 10. Ça fait un 21-4-5, je pense, sur les 7-8 dernières minutes. Et ils se sont réellement fâchés défensivement. Hein, Tchaloa. Ça switch avec Fogan, c'est intelligent. Oh là 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 là. Lorente qui ne collecte plus. Tim Lambrecht, gros match également. Fogan, a marché. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Allez, Karacic pour un peu réveiller tout ça. Karacic qui a fait une solide première mi-temps et la deuxième, il n'a pas marqué encore. Non, du tout. Et Badji. On avait une bonne rotation de Lambrecht, peu trop tard, mais il était là. Mais c'était une bonne passe de Lorente. J'aimerais bien qu'on aille lui chercher une petite bonbonne d'oxygène au cours de plongée qui est juste derrière. tu sais, les coques là-bas dans le coin, ouais. À côté des toilettes, il y a un passage secret pour accéder directement à la piscine. Hein. À la piscine. Bah écoute. Mais ça, faut le savoir. Faudrait peut-être le dire. Hein. Ouais, mais... Non, justement, je ne te le dis qu'à toi. Parce que je sais que, à part toi et moi ici, il n'y a plus personne. Quoi. Hey. Et voilà, Badji 0 sur 2. C'est... Ça, c'est des points précieux perdus. Ouais. Et là. Ça craque un peu physiquement hein, du côté de Bruxelles. Là. On se rapproche du money time quand même. Allez, Lisboa. Ouais, bah. Là, qui va finir proprement avec la planche. Bien sûr. Ouais. Ouais. 12 points d'avance pour Charleroi. Toujours aussi agressif, tout est difficile, hein. Tout est difficile, il y a une main dans le visage surtout. Et le rebond de Karacic. Très, très agressif ici. Et sur ce rebond, qui va ajouter justement ces deux premiers points dans cette deuxième mi-temps. Ça fait plus 10 pour Charleroi toujours. Oh, très bonne main de Terry. Bien le ballon ici. J'ai bien lu la passe. Voilà, pour lancer l'équipe. Voilà. Lambrecht qui pousse, mais qui va devoir calmer. Et deux lancers francs. Ça, c'est... Ouais, c'est pas la meilleure des fautes. Non. Surtout pas sur le team Lambrecht. Parce qu'on avait dit que Liber allait remonter sûrement pour Samardzic à un moment. Très bon match hein, de Milan. Excellent match. Et on en profite du coup pour saluer la famille Samardzic. Chose qui n'avait pas encore été faite. tu m'excuseras, Nicolas. Non. C'est gratuit. Oui, bien sûr. Et Lambrecht, qui marque son 17e point, qui est presque le meilleur marqueur. Hein. Non, mais attends. Avec Lisboa, 18 points. Lisboa est talonné de près par Milan. À 15 ce soir. Oh, est-ce que c'est un vrai money time? Moi, j'ai dit, quand même qu'ils allaient perdre. Hein. Et je me suis mouillé. Ouais, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai dit, on va perdre ici à Bruxelles. T'es trompé, Fé. Bah non. Non, je dis, t'es trempé. Ah, bah, c'est la piscine. Je t'ai dit que je connaissais le chemin. Mais. Voilà, je pose plus des questions, j'apporte des réponses. Je te le dis, on ne sait pas gagner. Non. À Bruxelles, on ne sait pas gagner. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal de pas savoir gérer cette avance. Voilà. Ce ne sont que des constats.
Voilà, ça travaille, ça laisse le chrono s'écouler et Lambrecht qui va aller terminer tranquillement. Ça. Tranquillement. Ouh, il a glissé. Mais les Eurostep, il est comme ça, il est intenable. Intenable. Un loup, c'est un loup. Ouais. Et tout avec le sourire, hein, Tim. Toujours. Hein. Presque insolent hein, de réussir. Et avec la. Ouais, faute de coq. Cette fois-ci, c'est c'est pour. C'est pour les Carolo. Et donc du coup, Badji qui n'est pas en réussite hein, sur la ligne des lancers francs, on va quand même aller en prendre deux. Il restera 1:32 à jouer. Et l'écart. Et l'écart. Restera à au moins 11 points si Badji marque ici. Traillé. Ah, et Charleroi était venu quand même le couteau entre les dents hein, en jouant quelque chose ici à Bruxelles ce soir. Il joue quand même toujours cette qualification pour les Elite Gold, hein, la première série qui opposera les meilleures équipes hollandaises face aux meilleures équipes belges. Donc du coup, Charleroi est toujours en course. Oh, il libère. Oh, ouais. C'est juste, il a posé son talon. C'est très très juste. J'ai pas vu. Mais en fait, on siffle un petit pied sur la ligne. Hein. Ah. Et il a posé son talon en reculant. C'est très bien vu. On n'aura pas eu le plaisir de voir Anthony Chada. Non. Enfin, on l'a vu physiquement, mais pas sur le terrain. Non, non. Terry pour ce 3 points, trop court, Karacic, Llorente à 3, non, Badji pour le rebond, et la faute de Mitocop. Je t'avoue que je l'aurais peut-être sifflé pour Badji, vu que ça m'aurait traîné quand même bien sur la tête de... Non, elle a déjà eu assez, ouais, bon, ça aurait bien conclu le... Hein. La prestation. Tout à fait. Et on a Liber qui se prend une technique pour Rouspétance, apparemment. Mais c'était un peu tendu avec Karacic. Bon, tendu, c'est tendu. Ce serait dommage de terminer ce match sûr. Une mauvaise terminée. Note. Terminée. Oh, il y a un moment où... Ça, il faut. Ah, Papé Badji. Oui. Et un match de basket n'est jamais terminé. 10 points d'avance. 9 points d'avance, pardon. Une minute. Du côté de Charleroi, demande l'antisportive. Ouais, le volontaire. Voilà. Et le siffler. Et du côté de Bruxelles, oui, non. Il n'y avait pas faute. Ouais. Bah, écoute. Il y avait ballon. Mais je dis, ça serait dommage de terminer comme ça. Là, ça va aller dans un. Ça rallonge la rencontre. J'ai l'impression qu'on a Roland Garros, on regarde gauche, droite, puis. Et puis re-gauche. Et puis re-droite. Et, oh, je l'ai vu de monde. Plus 10 Charleroi, 57 secondes. Dunaï avec Karacic sur Tim Lambrecht. Hey Terry, écoute. Tu veux nous dire ce qui vient de se passer ou pas? J'ai pas les mots. Mais, ouais. Et pourtant,
C'est Sheriff Aluna qui chantait Il avait les mots, non? Ah, c'est possible. Ouais, non, mais je te le dis. Je suis plutôt géographie, moi. J'ai vu. Enfin, géographie française. Hein. Ouais. Ouais. Bah, attention. Ouais. Ouais, ça a été un petit peu vite aux yeux du référé. Hein. Ouais, donc, du coup, rentrer sideline pour le Brussels. De l'autre côté, Kougueré, il va driver et rebond pour Charleroi. Du coup, ben, je pense que là, la sentence est acceptée. Et coach Jomain qui est dépité, hein, on comprend. Lisboa n'ira pas marquer ici. Qu'est-ce que non plus. Par contre, 10 secondes. Ouais, 10 secondes. Est-ce qu'ils vont peut-être pas la jouer, quoique. Bah si, il va prendre son shot, Lisboa. Un lancé franc. Ah voilà. Il reste du temps. Bah ouais, sinon c'est une perte de balles. Bah ouais, donc logiquement qu'il doit shooter. Ouais. C'est... Parce que Badji lui dit, mais pourquoi tu fais ça. Et du coup, mais... il s'est disputé tout le match hein, avec ouais. Tim Lambrecht sur. Karacic à 3. Qui, voilà. Qui prendrait le scoring ce soir. Et ben c'est Lisboa avec 21 points. Tout à fait. Ouais. Il a pris le lead. Il l'a pris. C'est quand même 14 points d'écart.